Alors merci, nous allons commencer la cérémonie. Tout le monde sait que nous, si nous sommes rassemblés ici en ce jour, c'est pour un mariage arc-en-ciel, un mariage polygamique. Sans ce mariage, sans une personne très spéciale que nous allons recevoir, ce mariage n'aurait pas lieu aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a d'abord dit oui, oui, nous pouvons vivre ensemble, oui, nous pouvons être des sœurs, nous serons par les rivales, nous serons pour chacune une mère, une sœur, une oreille pour écouter. Donc, je vous demande de recevoir Madame Abbé Solo, première du nom, qui est la marraine de l'événement.
ça. Alors. Thank you.
belle. Ah, le Seigneur est merveilleux. Thank you.
voyez partout dans le monde. En éminent le mouvement, ma soeur. Il va
pas maintenant. Allô? Au nom de notre hôte principal, qui est M. Abessolo Abamesma, je voudrais présenter à nos chers invités toutes nos excuses pour le désagrément. Je présente également au nom de M. Abessolo toutes nos excuses au protocole du maire. Merci. Dans quelques instants, nous allons accueillir l'officier d'état civil, Triana Diorna, qui vient pour célébrer cette incroyable cérémonie. Cette fabuleuse cérémonie, malgré les attaques, nous avons tenu à bon port, n'est-ce pas? Thank you.
Nous allons nous voir les acclamations de la communauté de l'Église. Son esclave, et toi, Denis, Denis, à ce que tu vas appeler Kali Denis, tout le monde va se faire un Mesdames et messieurs, au nom du bureau du conseil municipal de la commune de Libreville, je souhaite à chacun et à chacune la plus cordiale des bienvenues en ces lieux. Nous sommes réunis ce jour pour célébrer l'amour, mais surtout sceller la belle histoire d'amour entre cinq magnifiques créatures. Il s'agit du mignon monsieur, très élégamment habillé chez nous. Abbé Solo Mesmin, que je vous demande d'applaudir très fort. Et des plus charmantes demoiselles qui, dans quelques instants, seront des grandes dames. Indelengema Madeleine, que je vous demande d'applaudir très fort. Dema Piska, que je vous demande d'applaudir très fort. Mungu Nicole, que je vous demande d'applaudir très fort. Et enfin, Abogé Karen, que je vous demande d'applaudir. Excellences, mesdames et messieurs, veuillez bien vouloir vous asseoir pour qu'ensemble on puisse sceller cette relation. Texte de Cotis. Excellences, mesdames et messieurs, le mariage est un événement important, mais surtout un événement heureux. Il y a plusieurs personnes, pour des raisons diverses, qui ne parviennent pas à prendre cet engagement de vie pour cette décision aussi importante et prise dans un contexte particulier par ces cinq merveilleuses créatures. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite qu'on applaudisse à nouveau très fort. Excellences, mesdames et messieurs, un fait particulier depuis l'arrivée du coronavirus. Il y a un nombre arrêté pour ce type de célébration et le respect de la distanciation sociale. J'ai même envie de dire physique. Mais à l'hôtel de ville, toutes les fois que nous avons à célébrer un mariage, et que l'un des partenaires est originaire de la province du Volentem ou appartient au peuple fan, même s'ils sont au nombre de 5 dans la salle et qu'on leur demande d'applaudir, ça donne l'impression qu'ils sont au nombre de 1000. Aujourd'hui, il y a plus de 5 personnes, alors je souhaite que l'on applaudisse à la dimension de l'événement. Nous allons donc célébrer ce samedi 31 juillet 2021 le mariage entre M. Abbé Solo Mesmin et Bombamison Misa, figuriste domicilié à Libreville en République gabonaise, né le 15 août 1971 à Cocobich dans la province de l'Estuaire. Il est fils de feu Ava Ngon Daniel et de feu Ngon Hélène. M. Abbé Solo Mesmin est de nationalité gabonaise d'une part et mademoiselle Endele Ngema Madeleine, esthéticienne domiciliée à Libreville en République gabonaise. Cette charmante demoiselle est née le 11 mai 1987 à Cocobich dans la province de l'Estuaire. Elle est fille de feu Ngema Meye Camille
et de Nguema Honori. Mademoiselle Ndele Nguema Madeleine est de nationalité gabonaise d'autre part. Nguema Prisca Venusia, secrétaire domicilié à Libreville en République gabonaise. Cette belle créature est née le 4 août 1984 à Oyem dans la province du Wellington. Elle est fille de Nguema Dokui Jambar et de Ntsam Nguema Celesti. Mademoiselle Nguema Prisca Venusia est de nationalité gabonaise d'autre part. Mbungu Nicole, secrétaire domiciliée à Libreville en République gabonaise. Cette magnifique créature est née le 26 juillet 1978 à Libreville dans la province de l'Estuaire. Elle est fille de Ngwa Joseph et de Feu Ada. Mademoiselle Mbungu Nicole est de nationalité gabonaise d'autre part. Et enfin, Mademoiselle Abogé Karen Sylvana, elle est technicienne administrative à la CNSS, domiciliée à Libreville en République gabonaise. Cette belle silhouette est née le 24 mars 1984 en Toum dans la province de l'Estuaire. Elle est fille de Feu Abogé Ngon Moïse et d'Ambou Mengon Atom. Mademoiselle Abogé Karen Sylvana est de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes. 4 demandes de mariage, 8 copies d'actes de naissance, 5 certificats de résidence, 8 certificats médicaux prénuptiaux, 4 attestations sur l'honneur, 4 attestations d'option du régime matrimonial et 4 fiches d'identification des témoins. Nous pouvons également trouver une autre pièce jointe à ce dossier, notamment une ordonnance du tribunal de première instance de Libreville, répertoire numéro 314/2020-2021, autorisant la célébration d'un mariage hors mairie. Un avis de publication des banques et un certificat de non-opposition. Excellences, mesdames et messieurs, il est à préciser que monsieur Abbé Solo Mensmin et mademoiselle Ndele Nguema Madeleine Nguema Prisca Venusia Mbungu et Mbungu Nicole et Abogé Karen sont père et mère d'une nombreuse famille qui va certainement s'agrandir ce soir avec tous les bébés qui rentreront. Est-ce qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs? Alors donc, les actes de naissance de ces enfants ont été également produits à ce dossier et leur légitimation interviendra automatiquement par le fait du mariage que nous sommes en train de célébrer ce jour et cela conformément à l'article 438 du Code civil gabonais. Vous savez, chez nous en Afrique et particulièrement au Gabon, pour une décision aussi importante, il y a nécessairement des témoins. Les futurs époux ont choisi pour témoins, en commençant par monsieur Abbé Solo Mensmin, monsieur Abogé Mungom Damas, il est médecin domiciliaire. Vous levez. C'est l'oncle du futur marié, très élégant ce matin. Alors on applaudit, on applaudit. Et madame Mengemondo Jeannette, elle est technicienne de surface, domiciliée à Libreville. C'est la sœur cadette du futur marié, très belle sœur. Pour mademoiselle Ndele Nguema Madeleine, monsieur Mukula Kabou Serge, il est agent pénitentiaire, domicilié à Libreville, c'est le frère aîné de la future mère. Ne soyez pas pressés, hein, cher témoin, vous êtes également l'honneur ce jour. Et madame Mbumba Malabi Juliana Francine, secrétaire domicilié à Libreville, sœur aînée de la future mère. Pour mademoiselle Nguema Prisca Venusia, monsieur Ekouma Adamou Terence, il est policier domicilié à Libreville. C'est le mignon frère cadet de la future mère. Et madame Mekui Meye Bettina, elle est magistrat domicilié à Libreville. C'est la sœur cadette
Pour la culture massa. Pour mademoiselle Mbungu Nicole, monsieur Ngwa Obama, Joseph, il est retraité domicilié à Libreville. C'est l'oncle de la culture massa. Madame Ngwa Gisèle Né Nkié, domicilée à Libreville, c'est la tante de la future Marie. Pour mademoiselle Abogué Karen Sylvana, monsieur Befené Biban Félix, il est géographe, domicilé en Toum à Coltan, c'est le frère aîné de la future Marie. Et madame Befené Biban Diane, elle est enseignante domiciliaire en Touma Coltan. C'est la belle-sœur de la future Marie. Excellences, mesdames et messieurs, une information capitale. Les futurs époux ont opté pour la polygamie sous le régime de la séparation des biens. On acclame. Il y a encore des Gabonais forts. À présent, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles relatifs au mariage. Il s'agit de l'article 252, de l'article 253, de l'article 254 et de l'article 252. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, élever leurs enfants et préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille. Si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence, ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement de toute autre chose. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garant. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges, la femme s'acquitte de sa contribution à la prélèvement sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté, par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si le conjoint ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Et enfin, dans les mariages polygamiques, il est interdit d'utiliser les revenus d'une épouse, d'une des épouses, au profit des autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, veuillez bien vouloir vous asseoir à nouveau pour la suite. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout à l'heure, je vous ai informé que les futurs époux avaient opté pour la polygamie sous le régime de la séparation des biens. Aussi voudrais-je que ces derniers, de façon solennelle et devant cette auguste assemblée,
nous réaffirme cet engagement. Monsieur Abbé Solo Mensmin, maintenez-vous votre engagement polygamique contenu dans votre dossier de demande de mariage. Oui, monsieur le maire. Et bon, Babisson, mes âmes, on sait que tu es un guide spirituel et nous savons que tu as une grande communauté d'enfants spirituels. Et généralement dans les temples, lorsque le maître initiateur ou le guide donne des instructions spirituelles, ces instructions sont données avec énergie. Et je vous sais un monsieur dynamique, avec une voix qui porte. Je voudrais quand même vous signaler, monsieur Abbé Solo Mensmin, que l'assistance ici est comme pour vous un électorat. Donc vous êtes candidat au mariage avec 4 épouses. Alors, je souhaite que vos réponses soient données avec énergie, comme nous, les enfants des quartiers sous-intégrés, nous qui avons grandi à Niali au beau séjour dans les PK8. Venez voir, lorsqu'on vous pose une question qui engage votre vie, vous répondez avec énergie. Alors donc, permettez-moi de réitérer ma question. Monsieur Abbé Solo Mensmin, maintenez-vous votre engagement pour la polygamie contenue dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Indelengema Madeleine, maintenez-vous votre engagement polygamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. En tout cas, elle est décidée de se marier aujourd'hui. Hein. Mademoiselle Ngema Priska Benuzia, maintenez-vous votre engagement monogamique, polygamique, contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mbungu Nicole, maintenez-vous votre engagement polygamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Abogé Karen Sylvana, maintenez-vous votre engagement polygamique contenu dans votre dossier de demande de mariage? Vous comprenez que c'est quand même un fait inédit. Contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, monsieur le maire. Excellences, mesdames et messieurs, les futurs époux déclarent conjointement et expressément ce samedi 31 juillet 2021 qu'ils optent pour la polygamie, ainsi conformément aux dispositions de l'article 264 du Code civil gabonais. Le mariage que nous célébrons ce jour ne pourra être dissous que par la mort de l'un des conjoints, le divorce légalement prononcé, la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré nul. Heureusement pour ces merveilleuses créatures, tout ceci n'arrivera pas, car leur amour, eh bien, c'est juste en foi. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour les futurs mariés? Monsieur Abbé Solo Mensmin, veuillez vous lever s'il vous plaît. Retournez-vous, allez au fond, marchez, pour que l'assistance puisse vous admirer. Allez. Musique, DJ, musique. Allez au fond. Alors DJ, un rythme plus dansant. Je suis avec Solo, revenez. DJ, un rythme plus dansant.
un rythme du terroir plus dansant. Le Seigneur Jésus-Christ a un peuple de bravoure qui célèbre toutes les cris de joie. C'est un jour spécial. Monsieur Mesmin Abessolo, retournez-vous à nouveau pour que l'assistance puisse suivre religieusement votre réponse. Monsieur Abessolo Mesmin, regardez l'assistance. Voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour la vie, Mademoiselle Ndelengema Madeleine, ici présente? Oui, monsieur le maire. Bon entourage, mesdames et messieurs. DJ. Oui, monsieur le maire. Il a dit oui, je n'entends pas vos informations. Vous n'avez pas entendu. Mademoiselle Ndelengema Madeleine, veuillez également vous lever pour que l'assistance puisse admirer votre silhouette. Quelle belle créature! Regardez l'assistance. Il est trop fort. Trop fort. Anamburadzam. Mademoiselle Ndelengema Madeleine, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour la vie, tout en promettant que malgré la rude concurrence, des beaux costumes et des belles voitures de Libreville, vous resterez à ses côtés, cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Le nom de votre futur époux, c'est Abessolo Mesmin. On l'encourage. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Ngema Priska, veuillez également vous lever. Regardez l'assistance. Les gars, n'allez pas devant. N'allez pas là-bas. Pas, je suis garçon, je suis garçon. Voilà, je suis garçon. Monsieur Abessolo Mesmin, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour la vie, la mignonne demoiselle nommée Ngema Priska Venusia ici présente, en lui promettant de la cajoler, de la chouchouter, de l'aimer, de l'adorer, cela jusqu'à ce que seule la mort ne sait pas. À monsieur Mesmin. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Ngema Priska Venusia, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour la vie, le plus beau d'Enima du Gabon nommé Abessolo Mesmin. On le prenez pas de rester à ses côtés jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. On l'encourage. Merci. Mademoiselle Mbungo Nicole, que des magnifiques créatures, des magnifiques sirènes. Les Enzona sont là pleins, les Nyangita sont là pleins, les vieux sont là en pagaille. Monsieur Mesmin Abessolo, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour la vie,
la sirène, nommé Mbongo Nicole, ici présent. On l'encourage. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Mbongo Nicole, consentez-vous à prendre pour époux les jetons pour le meilleur et pour la vie, monsieur Abesolo Mesman. Bon encourage, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Mademoiselle Abogé Karen Silvana. Je tiens quand même à vous informer que les robes de toutes les futures mariées sont arrivées hier soir par vol express d'Air France. Était à l'aéroport pour réceptionner ces magnifiques robes une importante délégation à sa tête, Mademoiselle Audrey. Mademoiselle Abogé Karen Silvana, quelle magnifique silhouette. Monsieur Abbé Solomensman, voulez-vous prendre pour épouse légitime pour le meilleur et pour la vie la charmante demoiselle nommée Abogé Karen Silvana ici présente, en lui promettant de toujours l'aimer, de toujours la chouchouter et de toujours être à son chevet, et cela jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Courage. Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Abogé Karen Silvana, consentez-vous à prendre pour époux légitime pour le meilleur et pour la vie le mignon monsieur, très élégant, grand maître spirituel, et pour ma mission de mes âmes, et pour ma zembi, et pour ma coup des âmes, nommé Mesmin Abbé Solo Abba, ici présent. On l'encourage, mesdames et messieurs. Oui, monsieur le maire, avec plaisir. Excellence. Mesdames et messieurs, je voudrais signaler ici, avant de déclarer ce mariage pour votre gouverne, que monsieur Mesmin Abbé Solo, avant ce mariage, avait déjà contracté un mariage avec sa première épouse dans le cadre de la polygamie, que je voudrais qu'on applaudisse très fort. C'est elle la maman. Ma femme, Abbé Solo, c'est pas je suis garçon. Oh, je suis niman. Voilà un homme qui a vu les esprits. Excellence, mesdames et messieurs, plus que les choses sont suffisamment claires, au nom de la loi, je déclare monsieur Abbé Solo Mesmin et mesdemoiselles Ndele Nguema Madeleine, Nguema Priska, Mbongo Nicole, Abogé Karen, unis par les liens sacrés du mariage. Cela nécessite que l'on applaudisse très fort. Thank you.
merci. Vous pouvez prendre place. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, après avoir élu cet homme et cette carte d'épouse, c'est avec un plaisir que nous allons passer Veuillez vous asseoir, mesdames et messieurs. Je dis exemple, mesdames et messieurs, distingués invités, après avoir élu cet homme et ses quatre épouses devant Dieu, devant les hommes, pour une vie à deux, à quatre, à cinq, à six. Nous allons passer aux échanges des alliances, celle ou celui qui nous apporte des alliances de joie et de bonheur. Mesdames et messieurs, ces alliances représentent l'amour éternel de se rapprocher de nous. Qu'on encourage ce jeune homme. Monsieur va prendre l'alliance qu'il a réservée pour sa charmante épouse, Madame Adélégué Ngema Madeleine Ndélé. Allez-y. Prenez l'alliance. Ce joli bijou doré, je le présente d'abord à monsieur le maire. Monsieur, suivez-moi à monsieur le maire d'abord. Vous avez monté à monsieur le maire d'abord et ensuite le témoin. Témoin de l'autre côté aussi. Et à l'assistance, votre acclamation, mesdames et messieurs. Madame Ndélé Ngema Madeleine Abesola, présentez votre main gauche. Elle est dans nos compagnies, retirez le bouquet de fleurs. Je n'entends pas vos cris de joie, mesdames et messieurs. Tu es face. Allez, face à face. Attrapez la main gauche pour votre épouse. Excusez-moi, je vais me déplacer. Veuillez me patienter, s'il vous plaît. À présent, monsieur Abesolo va sceller cette union au doigt de sa charmante épouse. Qu'on l'encourage. Qu'on l'encourage avec vos cris de joie. La légalisation est faite. Elle vous présente son alliance. Voilà, nous allons passer à la deuxième épouse. Madame Abesolo Ngema Prisca, vous présentez ce joli bijou à monsieur le maire et ensuite au témoin et à l'assistance sous vos acclamations, mesdames et messieurs. Que la dame de compagnie retire le bouquet de fleurs. Elle est où? Qu'on l'encourage, il est en train de sceller cette union devant les hommes. Je m'arrive, je m'arrive, je m'arrive, je m'arrive, je m'arrive.
Merci. Merci DJ. Nous allons passer à la troisième épouse. Madame Abosolo Bungo Nicole. Monsieur Abosolo veut prendre l'alliance. Ce joli bijou, vous le présentez toujours à monsieur le maire, ainsi aux témoins. Et l'assistance sous vos acclamations, mesdames et messieurs, dans l'encourage. C'est un jour de joie. Et vous présentez l'alliance. La légalisation est faite. Voilà, Didier, merci. Nous allons passer à la quatrième épouse de monsieur Abosolo. Madame Abogé. Karen, la dame de compagnie de retirer le bouquet de fleurs. Monsieur Abosolo, vous avez déjà l'alliance. Vous l'avez présenté déjà, monsieur le maire. Et ensuite, les témoins. Et à l'assistant sous votre acclamation, mesdames et messieurs, madame veut vous lancer votre maître. Elle ne porte aucune alliance pour l'instant. Merci, Dieu. On accompagne avec les cris de joie. Et après, le Seigneur, devant Dieu, devant les hommes, devant le Père Divine. Mesdames et messieurs, nous avions vu la première étape. Il nous manque la deuxième. C'est laquelle? Monsieur Abosolo, je donne la parole à monsieur le maire. Excellence, mesdames et messieurs, avant la célébration des mariages, l'officier d'état civil doit s'entretenir avec les futurs mariés. Ça a été le cas avec ces magnifiques créatures. Au cours de cet entretien, plusieurs confidences peuvent être faites. Alors, les épouses de monsieur Abosolo Mesmin se sont ouvertes unanimement. Elles m'ont dit, monsieur le maire, pour chacune de nous, lorsque Mesmin Abosolo nous a fait la cour, nous sommes tout de suite tombés amoureuses de lui. Mais monsieur le maire, un élément que nous reconnaissons de façon unanime, c'est que lorsqu'il nous a embrassés, chacune de nous, nous sommes tombés 5 fois plus amoureuses de lui. Et notre amour a grandi 5 fois plus. Alors, monsieur le maire, ici à Libreville, dans le Gabon, et même dans le monde entier, personne n'a le baiser d'Abosolo Mesmin. Et monsieur Mesmin Abosolo m'a dit, Mon cher frère Nima, mon ebomba, mes soeurs, mes âmes, je souhaite qu'à titre exceptionnel, qu'on fasse un peu la combine. Plus que pour une fois, j'ai un parent à la mairie centrale, un ebomba, mes soeurs, mes âmes comme moi-même. Je souhaite alors que devant parents, amis et connaissances, monsieur le maire, que vous puissiez m'accorder avec mes épouses 5 heures de baiser. Et comme
nous sommes en famille, nous sommes entre nous. Et c'est le mariage de la gloire de tous les Nima du Gabon. À ce merveilleux ménage. Monsieur Abbé Solo Mesmer, je vous accorde 10 heures pour prouver à quel point vous aimez vos femmes. Embrassez-les toutes. Nous invitons Monsieur Abbé Solo. La deuxième épouse de Monsieur Abbé Solo. La première. La troisième. Monsieur Abbé Solo d'abord. Monsieur Abbé Solo. Et ensuite la troisième épouse de Monsieur Abbé Solo. Oh,
On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Quand on les encourage, ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans mes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Et enfin la quatrième épouse de Monsieur Abdesso. Cinquième épouse de Monsieur Abdesso. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nos radis au papier, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, 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 t'aimer. Les témoins de la première épouse, vous êtes venus de la ceinture de Dieu. Les témoins de la première épouse, t'aimer, t'aimer, nous savons cela. Les témoins de Madame André Abdesso. Devant nos amis et même devant nos ennemis. Allez, tu thank you.
Okay. Monsieur Abosso, d'abord. Et témoin de Monsieur Abosso. Se lever. Monsieur le maire va procéder à la remise du livret de famille aux actes de mariage. Excellence, monsieur le maire. Monsieur Abbé Solomesme. D'abord, félicitations. Monsieur Abbé Solomesme, dans le Grand Libreville, c'est-à-dire en tout, à Libreville, à Akanda et au Vendo, lorsque vous achetez un terrain, on vous dira deux jours plus tard que le terrain appartient à d'autres personnes. Pour avoir donc un terrain dans le Grand Libreville, c'est un véritable casse-tête chinois.
Le seul document administratif qui vous donne les garanties de propriété, ce n'est que le titre foncier. Alors, monsieur Mesmin Abesolo, je vous remets officiellement vos 4 titres de foncier de parcelle d'amour et faites-en bon usage. Madame Abesolo, née Ndelengema Madeleine, vous avez un magnifique époux. Et pour avoir supporté toutes ces années, et surtout avoir traversé tous ces obstacles, je vous remets donc officiellement votre couronne de reine. Vous êtes désormais, vous faites partie du jardin des reines de monsieur Abesolo Mesmin. Madame Abesolo Ngema Priska, ce sera un jardin très éclairé aujourd'hui. Madame Abesolo Ngema Priska, je vous remets officiellement votre passeport, votre visa pour désormais faire partie de la vie de monsieur Abesolo Mesmin. Madame Abesolo Mbungu Nicole, c'est vous qui avez désormais la responsabilité d'arroser le cœur d'Abesolo Mesmin. Arrosez-le avec beaucoup d'amour. Abesolo Abogé Carré, le cœur d'Abesolo Mesmin sera désormais, de jour comme de nuit, éclairé par une étoile qui brille dans le ciel. Avec mes encouragements et mes félicitations. Excellences, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont lu la Bible, ou pour les chrétiens, Jésus avait 12 disciples. Et parmi ces 12 disciples, un s'appelait Thomas. Pour croire, il fallait impérativement voir ou toucher du doigt.
il y a des personnes aujourd'hui qui sont des descendants de Thomas. Des personnes qui, pour croire, doivent impérativement voir ou toucher du doigt. Monsieur Abbé Solo Mensmen, ils sont nombreux à ne pas croire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer votre mariage avec 4 autres épouses après votre premier mariage contracté il y a plusieurs années. En tant que chef de famille, je vous remets donc officiellement vos différents certificats. Un certificat de mariage pour chacune de vos épouses. Vous êtes le chef de famille. Affichez-les dans vos différents salons ou dans votre salon, étant donné que vous êtes le chef. Et ce certificat ou ces certificats devront faire face à la porte centrale. Comme ça, les jaloux et les jalouses, la suite, vous la connaissez. Excellences, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Les choses sont suffisamment claires. Je ne serai pas très long, mais juste revenir sur quelques points essentiels concernant le mariage. D'abord, commencer par féliciter Monsieur Abbé Solo Mensmen, qui, en prenant cette décision importante, a honoré toutes ces dames qui hier étaient de demoiselles à ses côtés. Monsieur Mensmen Abbé Solo est un homme de parole et un homme déterminé. Un homme qui ne garde pas les enfants d'autrui, qui ne fait pas de fausses promesses. Quand il aime, il va jusqu'au bout. Pour cela, Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite qu'on applaudisse très fort pour Monsieur Abbé Solo Mensmen. Ensuite, Excellences, Mesdames et Messieurs, féliciter ces différentes épouses. Parce que nous connaissons la société. La société moderne ou la société actuelle a un regard, a un préjugé sur ce type de ménage. Mais Monsieur Abbé Solo Mensmen, contre vents et marées. Et surtout parce que ces dames sont restées focus et que leur choix a toujours été clair. Le choix d'Abbé Solo Mensmen, elles sont là aujourd'hui et aujourd'hui couronnées. Je souhaite alors, pour ces dames qui viennent de faire preuve de courage, mais surtout de responsabilité, qu'on applaudisse très fort pour elles. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est là le témoignage d'une bonne éducation. Ces différentes femmes sortent d'une bonne école. Alors, pour les papas, pour les mamans, les parents qui ont contribué de loin ou de près à l'éducation de ces dames, je souhaite pour leurs parents qu'on applaudisse très fort. Excellences, Mesdames et Messieurs, très rapidement interpeller les familles respectives. Parce que depuis un certain temps, dans notre pays, il y a confusion de rôles. La famille n'a pas pour rôle de constituer un frein ou un obstacle à l'épanouissement d'un couple ou d'un ménage. Bien au contraire, la famille doit pouvoir constituer un véritable bouclier. Car, Excellences, Mesdames et Messieurs, le plus dur pour cette créature commence aujourd'hui. Vous savez, dans notre pays, lorsque vous êtes sans époux, sans épouse,
pas d'enfants, pas de travail, au sein de la famille, personne ne vous calcule. On peut même vous informer du décès de votre père ou de votre mère 3 jours plus tard. Mais lorsque vous avez un mari, lorsque vous avez une femme, lorsque vous avez des femmes et des enfants, un travail, la porte ouverte à la calomnie, à la diffamation. Et généralement, ce sont nos parents qui sont à l'origine. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite alors que vous ne ressemblez pas à ce type de famille. Parce que le mariage est une grâce. Et lorsqu'on parle de grâce, on fait allusion au pouvoir discrétionnaire de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Jusqu'à ce jour dans notre pays, il y a des familles qui n'ont pas encore connu le mariage. Mais vos familles respectives, par le biais de ce mariage, viennent de connaître pour la première fois à nouveau le mariage. Cela sous-entend que Dieu a un regard particulier vis-à-vis de vos familles respectives. Alors, pour que cette grâce demeure, pour qu'il y ait encore d'autres mariages dans vos familles, je souhaite qu'on applaudisse pour votre aide. Alors, Excellences, mesdames et messieurs, le beau-fils ne saurait être le rival de son beau-père, encore moins de son beau-frère. La belle-fille, la rivale de sa belle-mère ou de sa belle-sœur. En tant que parent, vous avez donc la lourde responsabilité de les accompagner. Aux témoins respectifs, le mariage étant une institution divine, alors le mariage obéit à 2 lois. Et vous avez donc la lourde responsabilité d'agir également en double casquette, sur un plan matériel et sur un plan immatériel. Vous avez donc l'obligation d'être des véritables guides sur le plan physique et sur le plan spirituel. Assistez-les, soyez à leur chevet pour que le bateau ne chavire point. À vous, jeunes mariés, à mon très cher grand frère Abbé Solo Mensmin, à mon très cher frère spirituel, au grand Nima, au grand combo que vous êtes, et avec tout ce que vous avez derrière vous et toutes vos épouses, il vous faudra désormais faire face aux intempéries de l'amour. Attention, parce que de plus en plus, il y a un réseau qui gagne de l'ampleur dans notre société, dans notre pays au Gabon. Et ce réseau n'embauche que des bénévoles. Ils ne sont pas rémunérés. Ils s'appellent des Congosseurs et leur travail, c'est faire le Congossa. On a vu ton époux avec X, ton épouse avec Y. Ne croyez pas en ces personnes parce que vous avez désormais changé de statut. Vous étiez membre du syndicat, pour la plupart vous étiez membre du syndicat des célibataires. Aujourd'hui, vous appartenez au grand réseau des hommes et des femmes mariés. Vous avez donc changé de statut dans la société et vous n'êtes plus n'importe qui. Je vous souhaite beaucoup de compréhension. Soyez complices comme vous l'avez toujours été. Aimez-vous, adorez-vous, faites beaucoup d'enfants, plus d'une trentaine de petits-fils, tu peux encore en ajouter une cinquantaine. Tu as encore l'âge, mon frère. Et Dieu t'accordera la vie de Moïse, la longévité d'Abraham. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais ouvrir une parenthèse parce que c'est un mariage particulier, comme je l'ai dit au début. Il est particulier parce que c'est un homme qui a décidé d'honorer toutes celles qui étaient ses concubines, devenues aujourd'hui maintenant épouses, et parce que c'est un homme spirituel, donc un homme de tradition et de culture. Et nous savons que dans nos villages, il y a des jeunes gens et de jeunes dames qui se plaignent, qui vont voir des tradis praticiens, des hommes de tradition et de culture, des personnes avisées, disant qu'ils ou qu'elles ne parviennent pas à rencontrer l'âme sœur pour des raisons diverses. Après investigation faite par les tradis praticiens, les hommes de tradition et de culture, il est dit que c'est le père, c'est la mère, c'est la tante, c'est l'oncle qui serait à l'origine. Aujourd'hui, en suivant la télévision le dimanche, on se rend compte que nos amis prophètes et pasteurs organisent des séminaires tout entiers, des campagnes de délivrance, des nuits pour briser l'esprit du célibat. Alors, peu importe la qualité de celui qui tient le discours, Excellences, mesdames et messieurs, il pourrait s'agir d'un esprit malveillant. Alors, si dans l'assistance, il y a des jeunes gens et des jeunes dames qui, pour des raisons diverses, ne parviennent pas à rencontrer l'âme sœur, je souhaite que aucune gens descende en ces lieux, que le Saint-Esprit investisse ces lieux, afin qu'il brise en chacun et en chacune de vous l'esprit du célibat.
et que très rapidement chacun et chacune de vous puisse rencontrer son âme sœur. Et surtout, de prendre la décision de se marier très rapidement. Et nous attendons vos mariages à partir de samedi à l'hôtel de ville. Un autre conseil, que ce mariage serve à tous l'école. Ne gardons plus les enfants d'autrui dans nos maisons. Assurons-les, légalisons-les. Allons voir leurs parents pour donner la dot et allons devant l'officier d'état civil pour boucler la boucle. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaite donc à chacun et à chacune de vous bonne chance et je vous présente le couple de l'année 2021. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes invités. Nous voilà arrivés à la fin de cette belle célébration de mariage célébrée par le 4e adjoint au maire de la commune de Libreville. Mesdames et messieurs, après quelques conseils de monsieur le maire, la direction du protocole a prévu quelques séances photo. Pour le bon déroulement de cette phase photo, d'abord le couple, ensuite l'officier d'état civil et les témoins. Le reste des photos tournées avec Mme la ministre, seront juste au Pérou. Sur ce, au nom du 4e adjoint maire de la commune de Libreville, son excellence Edouard Dzingi Dzingi et affectueusement appelé Karim Dzingi. Les directions d'état civil du protocole vous souhaitent un heureux mariage. Bonne continuation, mesdames et messieurs. Sachez que tout ce qui est scellé sur terre est scellé dans les cieux. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Les témoins, s'il vous plaît. Les témoins. On est trop nombreux, vous pouvez venir tous en même temps. Vous venez par ici, par ici. Vous venez par ici, là-bas. Nous allons continuer nos photos. Cette fois-ci, les témoins de la première. Alors, monsieur le maire, c'est historique, hein? Historique et inédit. Historique et inédit parce que nous venons là de... Je viens particulièrement de célébrer un mariage d'un monsieur qui contracte un mariage avec quatre épouses. Il faut noter que ce monsieur avait déjà contracté un premier mariage, toujours à la polygamie, donc aujourd'hui il totalise cinq épouses. Alors, monsieur le maire, au niveau de la mairie, est-ce qu'il y a eu un débat sur ce mariage? Oui, mais ce mariage alimente la toile depuis plusieurs mois, depuis bientôt plus de trois mois. Et certains ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, c'est désormais chose faite. C'est désormais pour faire taire tous ceux qui pensaient qu'il ne s'agissait que d'un buzz ou d'une information erronée. Aujourd'hui, vous venez de vivre cet événement. Ce monsieur a épousé quatre compatriotes. C'est un compatriote qui vient d'épouser quatre autres compatriotes pour le bonheur de ses multiples familles. Que prévoit le code civil? Jusqu'à combien il peut continuer à épouser les femmes? Ben écoutez, pour l'instant, le code civil
n'arrête pas, ne définit pas un nombre exact pour justement le nombre de femmes à marier, à épouser. En revanche, le livret a prend en compte 4 épouses. Donc lorsque vous accédez les 4 épouses, vous avez les 4 épouses, on vous attribue un autre livret. Et c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a eu donc un premier livret où il a bouclé avec les 4 marges qui concernent les 4 épouses qui doivent faire partie de ce livret. Ensuite, on lui attribue un second livret. Il a désormais 2 livrets. Et donc dans le deuxième livret, il lui reste à boucler... Une case. 3 cases. Alors, monsieur le maire, c'est pour terminer. Est-ce que de mémoire de maire ou de Gabonais, vous connaissez un Gabonais qui a déjà épousé officiellement 5 femmes? Je crois très jeune, j'ai eu vent d'une situation pareille, mais depuis que j'ai démarré ma carrière administrative et politique, je pense que c'est la première fois. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'était bien, c'était bien. C'était bien. Hein? Adjoint direct. Les invités sont priés de se rasseoir pour que nous raccompagnions d'abord les mariés, au lieu où ils vont se désintéresser pour le contraire. Il va nous raconter comment il va passer cette nuit de noces avec ses 4 épouses, sachant que la première, on l'a vue pendant la cérémonie, elle joue à la reine mère. C'est d'ailleurs à elle que l'époux a remis tous les documents du mariage, notamment le livret familial et les actes de mariée de ses co-épouses. On l'a vu sortir de la cérémonie pour aller les mettre en lieu sûr dans leur maison familiale. C'est dire que apparemment, tout se passe bien dans ce couple.
Alors, madame, bonjour. Regardez, madame, c'est votre. Mettez-vous comme ça. Alors, chers amis de GabonActu.com, nous avons déniché la première épouse de Monsieur Abbé Solo. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous vous présentez? Je me présente, madame Abbé Solo Christelle. Racontez-nous comment vous avez accueilli vos jeunes sœurs. C'est de l'amour qui vient du fond de mon cœur. C'est de l'amour que j'ai éprouvé envers mon mari qui a fait en sorte que j'accueille les autres avec amour, car Dieu nous demande d'aimer les uns les autres. C'était difficile là au début, hein? Pas vraiment. Mais comment vous vivez à la maison alors? On vit comme des sœurs. Vous êtes quand même des rivales. Nous sommes des rivales, mais on vit comme des sœurs. Le mot rivalité n'a jamais vécu chez nous. Ça n'a jamais existé autant pour moi chez nous. Vous voulez dire qu'il s'est partagé, monsieur Abbé Solo? Bien sûr. Par exemple, pour le repas, comment vous faites? On mange ensemble. Si c'est mon tour de préparer aujourd'hui, tout le monde mange ensemble. On mange à table ensemble, les enfants, tous les enfants mangent ensemble. Il faut combien de... Le sac de riz de 50 kilos, ça dure combien de temps chez vous, madame? Il paraît que vous êtes une famille de 32 personnes. Le sac de riz fait une semaine, le carton de nourriture fait un jour. Et le mari a beaucoup d'argent pour ça? C'est ça que la question se demande. Est-ce qu'il est un homme riche ou un homme farfelu? Il n'est pas riche, il vit selon, avec le peu de moyens qu'il a. C'est un tradit praticien, il soigne les gens avec amour. Il n'exige pas que la personne puisse venir se faire traiter avec argent. Si tu as l'argent, il te soigne. Si tu n'as pas l'argent, il te soigne également. Mais c'est Dieu qui nous produit tout cela. Afin que le peu que Dieu l'envoie soit multiplié. C'est comme ça qu'on vit. Avec lui, vous êtes marié en quelle année? En 2008, le 19 juillet 2008. Vous êtes nostalgique de voir cette cérémonie, hein? Je suis très heureuse parce que Dieu a exaucé nos vœux. Rappelez votre nom à ceux qui vous regardent sur GabonActu.com. Je me présente, je m'appelle Abbé Solo Christelle, mère de plusieurs enfants je suis accompagnée de mes épouses, de mes co-épouses qui sont mes sœurs. Alors qu'est-ce que vous dites aux autres femmes et aux autres qui stigmatisent votre vie de couple? De faire pareil, parce que Dieu a dit d'aimer les autres. La chair reste la chair, l'esprit reste l'esprit. Vanité de la vanité, les choses éphémères, c'est pas important, ça n'apporte pas chez Dieu. Ça n'amène pas, ça ne nous amène pas chez Dieu. Merci beaucoup madame Abbé Solo, et bonne chance pour la suite. Merci, tout le programme. Au revoir. Merci. Tu vas bien? Voilà donc, nous nous dirigeons vers la tente où se trouve déjà le marié. Il va nous expliquer, comme il a promis, comment passera-t-il sa nuit de noces. Attention. S'il vous plaît. Attention, il y a un câble. On va comme ça. Monsieur le marié, ça ne fait que commencer. On va vite terminer avec vous. Alors, monsieur le marié, comment vous vous sentez maintenant? Je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Parce que j'ai honoré mes femmes. Je les ai honorées comme la nature le veut. Alors, les gens disent, comment vous divisez un seul cœur par cinq? Je suis un homme traditionnel. J'ai fait comme l'ont fait mes ancêtres, mes grands-parents. J'ai deux nuits à chacune, des époux. Deux nuits, et c'est comme ça que je les comble de tous leurs désirs. Malheureusement, la nuit de noces, c'est une seule. Comment vous allez faire? C'est la question que tous les téléspectateurs nous posent depuis qu'on a commencé le direct. Je vous remercie pour la question. La nuit de noces est prévue, mais programmée de la première à la dernière, dans le respect de l'ordre des choses.
C'est-à-dire vous, 19h de 20h à 5h du matin? Non, non, non. La première commence aujourd'hui. Et le week-end prochain, il va y avoir la deuxième, et ainsi de suite. Félicitations, monsieur le marié. Un dernier conseil pour ceux qui pensent que vous êtes plutôt un macho? Ce que je voudrais dire aux hommes, c'est de valoriser la nature. Et valoriser la nature, c'est faire de la nature ce que veut la nature. Comme vous me voyez faire, épouser mes quatre épouses, c'est ce que veut la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Félicitations encore. Merci. C'est bon. Attends, moi, il va recommencer. Pour boire, ça, il s'est sorti un peu fou, là. Voilà. Ok, vas-y. Voilà. Monsieur le marat. Ok. Voilà. Super. C'est bon? Pardon, pour Inès. Oh là là, papa là, il va. Ah, pardon, pardon. Je te cherche. C'est bon?